jacket was quite dry, so it's no point when it's sort of, because the feeling, you know, the rear guy. Salut à tous, on se retrouve pour la 13e manche du championnat 1999 Formule 1 ici à Monza en Italie. On va donc lancer les qualifications, on va changer les réglages de la voiture par contre parce que je pense qu'il va falloir avoir très peu d'appui. On va garder moyen à l'avant pour avoir quand même un peu de grip et à l'arrière on va mettre des appuis assez bas. Rapport de vitesse on va mettre moyennement long, ça donnera une bonne vitesse de pointe. Bon ça on garde et suspension on va laisser comme ça, je pense que c'est bon, on va faire OK. Donc on est parti pour les qualifications. Malgré la présence de redoutables chicanes, Monza est actuellement le plus rapide des circuits de Formule 1. Et la victoire à domicile d'une Ferrari déclenche toujours un vent de folie. Oh là là, vous avez vu que les nuages bougent, c'est assez bizarre. Alors attends, on va sortir de l'analogue. Hop, c'est parti. On arrive dans la longue ligne droite. Personne derrière nous, c'est bon. Et donc le Grand Prix de Monza. Avec la chicane un petit peu différente, hein, elle a changé depuis 99, mais maintenant, enfin en tout cas dans ce jeu, elle est toujours à l'ancienne. Donc nous sommes partis. Un galop d'essai. La chicane qui est quand même assez facile à prendre, hein, par rapport à la réalité. Donc on va voir les vitesses de pointe hein, aussi, si on s'en sort bien ou pas. Attention à la rose, voilà. On va essayer de dépasser à l'aspiration. Parfait. On va être à combien là, 307 km/h. Il faudrait qu'on soit au moins à 320, je pense, en bout de ligne droite pour que ce soit assez rapide. On va dépasser la BR. Oh, attention. Ouais, 310. Ah, regardez, on est bloqué à 310 km/h. On repart de la vitesse au bout d'un moment. Décale, heureusement il me l'a laissé passer. Allez, chicane, et la partie la plus longue du tracé, elle est là. Et je vais me faire gêner par la Benetton. On a une seconde cote d'avance sur Rakinen, à voir dans la ligne droite hein, après, comment ça va se passer. Et on sort. Il a dérapé, il est sorti de la piste pour se retrouver dans les graviers. Ouais, du coup on a perdu tout le temps qu'on avait d'avance, bon tant pis. Et donc le Grand Prix d'Italie 99 dans la vraie vie, alors qu'on a fait le 22e temps. Et ben ça s'est passé avec la victoire de Frentzen, alors qu'Akilian était en tête de la course. Malheureusement il va partir à la faute dans la deuxième chicane. Ou la première chicane, je sais plus. Et du coup, deuxième erreur, un petit peu comme Imola dans l'année, et on retrouvera Akilian désespéré, désemparé, caché derrière les buissons pratiquement, limite en train de pleurer.
effectivement il était en tête, donc il aurait pu trop creuser le trou au championnat, et finalement ça sera pas le cas. Surtout que Ferrari n'était pas du tout en position de gagner à ce moment-là. Alors on va arrêter dans la... 3 secondes d'avance maintenant, ça a l'air un peu plus rapide. Attention, on sort large. Difficile, voire impossible d'échapper au bac à sable. On va essayer de pas faire la même erreur tout à l'heure. Allez, là ça devrait améliorer un petit peu. Et on n'est pas si rapide que ça en ligne droite, hein, 308. 20ème temps à 3 secondes 7. Ah, j'aurais pas cru. J'aurais pas cru. Au niveau du réglage de la voiture, on va faire un petit peu différemment. Vu qu'on arrive quand même à prendre bien les virages, je pense qu'on va baisser l'aileron avant en bas. On va mettre transmission. Ah bah très longue. Hein. On va mettre très longue, sinon en course ça va être compliqué. On va faire OK. Et du coup, c'est parti pour le Grand Prix. En pole position, Mika Häkkinen. Près de lui se trouve Eddie Irvine. Et en troisième place, nous retrouvons David Coulthard. En quatrième, Heinz-Harald Frentzen. En cinquième place, Damon Hill. En sixième place, Ralf Schumacher. En septième place, Jacques Villeneuve. En huitième position, Johnny Herbert. Et Villeneuve septième quand même. Olivier Panis. Belle place de Panis aussi sur la Prost. Rubens Barrichello. Onzième position, Jean Alesi. Salo qui part assez loin. Jarno Trulli. En treizième place, Mika Salo. Quatorzième position, Giancarlo Fisichel. Quinzième place, Pedro Diniz. Diniz, Onta. Alors que ça l'ouvre devant avec la rose. Ah oui, c'est normal, ils font le chauffe les pneus, j'avais oublié. En 18ème place, Ricardo Zonta. 19ème place. Et on va partir. Ah oh, on a le même temps que notre coéquipier. On est au mi-ème près. 21ème position, Stéphane Sarrazin. Il faut toujours un dernier. Aujourd'hui, c'est parti. Aujourd'hui, c'est parti. Allez, on va essayer de faire un meilleur départ. On doit avoir un meilleur test de pointe. Oh, le départ chaotique. Oui, il y a une voiture qui a calé. C'est une Benetton. Et donc, nous sommes partis pour ce Grand Prix d'Italie. Ils sont tous bien partis et il y a peu d'incidents à déplorer. On va faire attention. Ouh, la rose qui me... Il semble que ces voitures se sont touche légèrement. Alors là, j'ai vraiment pas d'appui, donc ça va être compliqué. Mais on va y avoir une vitesse de pointe, on va pouvoir... Ouais, ça va être un peu mieux en vitesse de pointe. S'il profite de l'aspiration, il pourra se lancer cette fois. Ça reste assez compliqué déjà pour doubler. On va essayer de profiter de notre vitesse de pointe hein, pour dépasser. Il est bien parti. Alors qu'il y a un... Le vent ça tasse un petit peu. Il remonte rapidement derrière lui. Et du coup je vais en profiter. Cette voiture fait des prouesses sur ce circuit. J'ai une vitesse de pointe tellement grande. Tellement élevée. Ok, 14ème position. Bon, pour l'instant le paquet, il n'y a personne qui se détache. On va tenter à l'intérieur, on va freiner au plus tard, ouais c'est bon. Incroyable. La réaccélération, si on prend pas trop de temps, ouais ça devrait être ok. J'ai rattrapé la Stewart en deuxième position. Ah, par contre là j'ai vraiment beaucoup de tests de pointe, ça va vraiment nous aider à aller 317, 319. Ouais, on reste bridé à 317 mais on est plus rapide j'ai l'impression. Donc compliqué ça va être la chicane. Voilà, la chicane on a pas trop d'appui. Ouh, on a failli se prendre la Stewart devant. Passer par là. Ouais, c'est bon, à l'extérieur, oh là, la Ferrari qui l'ouvre, regardez-moi ça. Vous nous empêchez de passer. Il vient de réaliser une incroyable manœuvre. Oh, la BR, ça va être compliqué, on va laisser un peu de marge. La Ferrari qui est à l'extérieur, et non, elle va repasser. Non, c'est bon. Oui, on va pouvoir passer. Aspiration sur la BR. Réussir à le dépasser. Hey, on a touché la Jordan. Ils ont eu un léger accrochage mais rien de bien méchant. J'ai l'impression que les deux McLaren ont perdu énormément de place. Hein. Je crois qu'elles sont 5ème et 4ème en bataille avec Damon Hill.
Et en tête, ça va être Irvine, je pense. Oui, Irvine, Frenzen, Ralf Schumacher, ouais, ils ont tout perdu. Avec McLaren. S'il profite de l'aspiration, il pourra se lancer cette fois. Oula, c'est compliqué. Ouh, on a réussi à passer à l'extérieur. Sur un Jordan, on reste bien à l'extérieur pour éviter qu'elle puisse nous doubler. On va essayer de dépasser à qui. Non, oh, c'est complètement loupé. Du coup, au freinage. Oh, alors que Barrichello a abandonné. S'il profite de l'aspiration, il pourra se lancer cette fois. Belle bataille en tout cas dans le peloton pour le moment. Alors, beaucoup plus de vitesse en ligne droite. On va laisser passer la Jordan. Pas tenter le coup. Attention à l'intérieur. Oui, ça peut passer. Ouh, on s'est fait. Ça a failli mal passer avec la McLaren. Et David Coulthard qui va nous redépasser. Il a réussi à le dépasser. Un peu plus tard, ça passe. Il remonte rapidement derrière. On va dépasser la Jordan. Il réussira le dépasser. Bon, on est trop de fond. Oh, il y a quand même une troisième place et Williams, regardez, on est en train de dépasser sur le côté. Oh, la Ferrari. Oh, ça y est, il est dans le sable. On a la Williams qui tient bien le choc, hein. Deuxième, la troisième pour le moment. C'est quelqu'un qui a abandonné. Il réduit l'écart qui les sépare. Ouais, c'est bon, c'est passé. Ouf, j'ai failli perdre le grip à l'accélération. Et c'est bon, on est en tête du coup. On a réussi à se défaire tous les pilotes derrière nous, alors que derrière, c'est en train de se suivre. Et oui, Fredette qui avait donc remporté la course en 99, qui faisait sa, il me semble, sa deuxième victoire de la saison, puisqu'il avait gagné en France. Et à Imola. Et à Imola, il y a. J'ai loupé, oh, bah voilà, je me suis complètement loupé. Super. Regardez, ça se joue avec tout le monde derrière. Et c'est bon, vitesse de pointe, on est vraiment plus rapide. Et oui, il avait gagné en France, il avait gagné ici en Italie. Il avait failli gagner aussi au Nürburgring, hein, le fameux Grand Prix où il s'est passé énormément de choses. Et du coup, il se retrouvait vachement bien placé parce que Kinyan a abandonné. Et Irvine bah, finissait derrière. Et c'est terminé, hein. Après Jordan n'avait plus gagné. Oh, un peu trop l'extérieur là cette fois-ci. Il remonte rapidement derrière. Ça devrait passer. Et on a repris encore la première place. Et déjà 5 tours de faire courir, c'est assez rapide hein, comme tracé, mine de rien. Déjà à mi-course. Et encore une fois. Voire impossible d'échapper au bac à sable. Et voilà, du coup la Ferrari qui repasse. Et ils sont revenus derrière. Donc c'est pas une McLaren, on va voir les positions. On va une Sarrazin, Kinen, Frenzen, Coulthard. J'ai pas vu qui était le 6ème. Et Villeneuve toujours 7ème. Ralf Schumacher, voilà. 6ème qui a perdu beaucoup de place hein, par contre. Il qui a abandonné, voilà, du coup ils ont repris une place derrière. Oh la Ferrari! Oh la Ferrari qui s'est décalé au dernier moment. Il réduit l'écart qui les sépare. Va-t-il réussir à le dépasser? Il remonte rapidement derrière lui. Ah l'aspiration. Ouais, mais à chaque fois il me bloque, hein. il a raison. Mais du coup, c'est pas évident. On va essayer de peut-être le passer à l'accélération. Là, non, on a perdu un peu de vitesse. Ah, c'est bon, on va profiter de l'aspiration. Le pied de Ferrari, ça va passer. Et on reprend la tête à nouveau. Alors, cette fois-ci, il n'y a pas fort de bêtises dans le dernier virage, voilà.
Heineken, Friesen, Coulthard, Schumacher. C'est très marrant que Villeneuve marque des points pour BR. Lundi, il a fait une très bonne course aussi en 99. Malheureusement, il n'aura pas fini sur le podium, mais il était longtemps à être premier. Normalement, Zanardi ne marquera aucun point en 99. Alors qu'il avait fait très bonne saison de cartes avant CRT, je précise. On est toujours derrière, hein, garde un petit peu le rythme, que de Ferrari, même si on est toujours devant. Par contre, le troisième est vraiment loin. Et encore, hein. Oh, ça y est, il est dans le sable. Oh. Il a dérapé. Ouf, 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 on a failli se reprendre en vanne direct. Le bloc Zetec Minardi qui est au taquet, qui en peut plus. Tu vas essayer de passer. Et non, ça c'est compliqué, on va attendre un peu. Va-t-il réussir à le dépasser? Il réduit l'écart qui les sépare. Alors, j'espère même qu'elle est trop derrière, parce que vous savez que Lydia, des fois, on a des baisses de rythme d'un coup. Et du coup, en fait, ça nous a porté proche d'ici, surtout en Allemagne. Ah, par contre, j'ai pas eu trop de temps là. Donc on va réussir à prendre à fond le virage. Ouais, c'est bon, ça va passer. Alors non, j'ai pas fait le contrôle. Un petit peu en retard quand même les commentaires. On va pas passer la chicane facilement. Pas de changement. Allez, les deux McLaren sont quand même remontés en 3ème et 4ème position. Alors qu'il reste plus qu'un tour et demi à parcourir. Je ne peux pas le croire. Ah, encore un abandon. Et ben voilà. Les graviers sont là pour ça. Je comprends pas ce virage, c'est impressionnant. J'ai essayé de freiner un peu plus tôt et du coup j'ai freiné trop à l'extérieur. Bon, ça va, on est toujours devant. Je suis parti courir une fois, 4 fois à la faute dans ce virage au moins. Encore 9 tours. Encore un tour. C'est bon, on a pris assez d'avance. Je ne devrais pas le dire, mais non, non, je ne dirai pas. Ah, ok, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il voulait dire, mais bon. Ouais, c'est bon, on a pris notre temps. C'est bon, Nico, on passe. Et du coup, on devrait remporter le Grand Prix. Le Grand Prix d'Italie. On va essayer de caler ici pour voir ce que ça se fait. On va essayer de franchir la ligne à cet endroit.
Bon, c'était pas la course la plus compliquée hein, qu'on, qu'elle on a eu à faire. Du coup, classement final, Irvine 2ème, 3ème Häkkinen, 4ème Coulthard, 5ème Rochemont, 6ème Frenzen. On va faire un tour au niveau des... Au niveau du championnat, ce qui va être le plus intéressant à suivre quand même. Alors, je pense qu'on reprend pas mal de points, mine de rien, mais bon, ça va être compliqué, hein, faut passer devant l'équipe. Alors... Donc au championnat des pilotes, 88 points. Häkkinen 64, donc là c'est bon, hein, 13 Grand Prix, il y en a, je crois qu'il y en a 17. Donc du coup il nous reste 4 courses. Enfin non, il reste la course 14, 15, 16, 17, 14, c'est ça. Donc on n'est pas encore champion, mais ça se précise, puisqu'on a quand même bien 12 points d'avance. Ou même pas, 22 points d'avance, oui, donc c'est quasiment fait. Donc Irvine, ok, on va voir du coup. Bon, je suis mort à 5ème pour l'instant, comme en vrai, j'ai envie de dire. Et une caisse à loin, un point. Et au classement constructeur, donc on est toujours 3ème. Hein. Il faut absolument qu'on arrive à repasser Ferrari, ça va être compliqué, mais on va quand même essayer. Jordan 4ème toujours, 5ème William, 6ème Stewart, 7ème Barr. Et Beller qui a marqué quand même déjà un point, donc c'est bon. J'aurais peut-être voulu que Prost manque des points, on va voir, hein, c'est peut-être possible, on va. On verra comment ça se passe, on va faire la course suivante. Voilà, donc la course suivante aura lieu, on va voir où... Jeu qui charge, voilà. Oh, Nürburgring, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve donc pour la manche 14, pour le Grand Prix d'Europe. À la prochaine, et à plus tard.